Adixia en colère contre Simon Castaldi, elle décide de se venger pour se venger de Simon Castaldi. Adixia like des photos d'hommes torse nus et les partage sur son profil Instagram. Les candidats Adixia et Simon Castaldi ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre lors du tournage des Marseillais versus le reste du monde. Depuis, on peut dire que les amoureux ont vécu beaucoup de hauts mais aussi de bas. Simon n'en serait pas à sa première infidélité mais la jeune femme a toujours passé l'éponge. Les internautes ont bien tenté de la mettre en garde mais en vain. Anthony Yerikos a d'ailleurs déclaré, Simon, j'aurais dit un peu superficiel par rapport à sa relation avec Addict. Je trouve qu'il la met vite à bout et je sens qu'elle n'est pas bien, pas heureuse avec lui et ça ne marche pas vraiment. Le dernier faux pas de Simon, liker des photos de parfaites inconnues en tenue légère sur Instagram. Sur la story Instagram de @barwekos, la rumeur se confirme, dans le couple entre Simon et Addictia actuellement s'étendue. Alors que Simon like des photos dénudées sur Instagram de filles pas forcément connues, derrière le dos d'Addictia sans qu'elle s'en aperçoive, Addictia s'était vite rendu compte. Addictia, suite à plusieurs abonnés qui lui ont envoyé les captures d'écran de Simon qui like des photos d'autres femmes, Addictia s'est vengée en story. Elle a donc décidé de faire ainsi et de liker les photos d'hommes torse nus de comptes différents. Ou encore, Addictia qui like également les photos d'autres hommes et l'affiche pour se venger. Est-ce la fin du couple Addictia et Simon Castaldi ? Simon Castaldi s'était excusé sur les réseaux sociaux pour ses agissements il y a quelques semaines, à ma femme, à ceux qui m'aiment et aux autres aussi. Un simple pardon ne serait pas nécessaire car je suis totalement conscient des erreurs que j'ai pu faire ces derniers temps, et je n'en suis pas fier. Visiblement, ça lui a vite passé. Depuis quelques jours, Addictia ne partage presque plus son quotidien, sa vie, mais seulement des placements de produits. Elle s'est expliquée, je ne suis pas très bien psychologiquement en ce moment. Les stories seront un peu moins régulières pour l'instant. Je n'arrive plus à faire semblant. De plus, les fans auront remarqué qu'elle ne poste plus non plus de contenu avec son chéri. La rupture serait-elle